Président Nicolas Maduro senti bagaille chauffer pour lui dans moment et même mandé yon gros milliardaire dans monde là goumé. Li même dit vinn nous camper goumé parce que si vous voulez goumé ensemble avec moi, c'est pour nous goumé. Qui t'aime dire milliardaire ça qui c'est Elon Musk qui responsable Twitter. Eh bien, l'État semblait pirater le système informatique Venezuela et lui même pirater le système CNE qui est centrale électorale dans le pays Venezuela. Ça veut dire Nicolas Maduro senti goumé monsieur Avle Mandel parce que pirater le système informatique et même pirater le système vote. Mais qui t'aime dire Nicolas Maduro ensemble avec Elon Musk? C'est deux mondes qui pas de chambre dans ces collés. Mais à cause que l'élection qui fin fait là et t'assemblée Nicolas Maduro pas respecté vote vraiment et t'assemblée résultat élection pas fin crédible. Lorsque Negla lui-même li piraté système CNEA qui c'est Conseil National Électoral là. Ça veut dire que l'incapacité pour lui, est-ce que c'est Nicolas Maduro vraiment qui est élu dans l'élection ou bien est-ce que c'est l'autre adversaire Nicolas Maduro? C'est raison ça qui permet que lui-même personnellement, il ait fait une note sortie sur Twitter, côté que il a dit c'est pour respecter votre peuple vénézuélien. Ça veut dire lui-même personnellement, lorsque il pirate le système électoral là, il a déjà gagné toute information. C'est un mensonge. Nicolas Maduro pas élu vraiment. Ça veut dire que Nicolas Maduro te dit li prêt s'il voulait venir camper son ruin ensemble avec lui pour venir camper goumé la goumé ensemble avec lui. Je ne connais déjà les noms de ruin. C'est un bagaille qui fait les moun yo a boxé, yo kon campé là et puis pour yo goumé. Nicolas Maduro déjà dit oui, ou mettre vini, nous pas peur, n'a goumé ensemble avec vous. Et gen en pile télévision dans monde là qui même mandé Nicolas Maduro vin chita de préférence, vin faire un débat entre ou même ensemble avec Elon Musk pour yo wè qui est qui gen raison. Est-ce que vraiment Nicolas Maduro pralé jusqu'à présent il n'est pas capable de bailler un résultat sur ça? Mais dans le moment, un pile adversaire a menacé Nicolas Maduro comme quoi que c'est volé, l'État volé l'élection dans le pays Venezuela. Et Elon Musk lui-même lui dit oui, pas de problème. Si vous sentez que c'est pour nous camper, pour nous goumer ensemble, moi prêt, en aller. Nous capables de goumer ensemble. Qui t'aime dire Elon Musk c'est une parmi plus gros milliardaires qui gagne dans le monde là. Président pays Brésil là qui c'est Lula décidé pour le dire, il connaît problème là, c'est problème les États-Unis. Depuis un pays campé en face États-Unis connaît lui appuyer Nicolas Maduro. Si ça fait après la Chine, la Russie, yo tout yo accepté avec Nicolas Maduro comme moun qui gagne élection. Et depuis ces pays qui ont mis avec États-Unis, ou après, ils ont demandé pour élection à refaire dans le pays Venezuela. Ils mettaient en pile chauffé dans le moment, mais Nicolas Maduro lui-même, il est seul nègre qui a boit des bananes, il est seul nègre qui dit oui, la prend bagaille, il fait, il finit. Les grands monde, la caille, pas les monde qui a dit non, c'est comme ça qu'il a campé. Et Nicolas Maduro lui-même qui avait fait quoi? Elon Musk, c'est une parmi les monde qui cause Venezuela tomber dans la crise que lié journée jeudi. Est-ce que vous pensez si Haïti te gagne un nègre? Si Haïti te gagne un garçon, tant que Nicolas Maduro, est-ce que vous pensez peuple haïtien pas au moins râler en souffle? Parce que moi rappelle que moi t'ai parlé ensemble avec un vénézuélien côté que moi t'ai dit pour qui ça toute misère ça yo obligé au Venezuela. Et il te dit moi c'est parce que Venezuela pas capable de faire manger à cause de terre. Gen gaz dans terre vin rendre que pays Venezuela pas capable de faire manger, c'est ça qui fait Venezuela vin tomber dans une misère côté que yo t'ai mangé dans fatra. Mais kounya m'a imaginé si Haïti te gagne un Maduro
yon nèg docteur Koumadoulo comme nous connaît Haïti lui-même li capable de faire manger et puis pour nous dire même si nous sommes sous sanction États-Unis nous sommes capable bay tête nous manger nous sommes capable faire manger pour nous manger nous pas besoin de dépendre de l'autre pays on pense au moins Haïti ta parler on souffre. Nicolas Maduro, c'est un parmi les plus gros politiciens qui plus pape nègre dans ce qui a rapport avec la politique dans le pays. Je le connais déjà, Nicolas Maduro déjà campé en pile relation diplomatique ensemble avec un pile pays dans l'Amérique latine. Surtout pour Chili, dans le moment, Vénézuéliens qui dans le pays Chili ont commencé à faire un pile problème. Parce que là, yon pays coupe relation diplomatique avec yon l'autre pays, ça veut dire que même ambassadeur pays ya, par exemple, Maduro qui mande pour tout Vénézuélien qui la kayo parce que li pas besoin gagner relation diplomatique. Ça veut dire même ambassadeur Venezuela qui au Chili ya, la prend paquet li marel et puis aller la kayo. Et yon l'autre bord, Vénézuélien qui Chili yo a bay tèt yo problème parce que si yo pa gen ambassadeur Venezuela dans pays Chili, ça veut dire bagay yo pral un petit crash compliqué pour yo surtout pour question document, pour yo faire document, pour yo faire toute l'autre qualité service que yo qu'on a le fait ambassade Venezuela qui dans pays Chili. Et bien je dis c'est un plaisir de compter là ensemble avec vous dans la vidéo ça. Pas oublier sous pour abonner, m'a pas de vous faire ça kounya et partager vidéo ça une façon pour capable arriver sur l'autre monde. C'est là où on mettait en fin dans la vidéo aujourd'hui. Bye bye, à la prochaine pour une autre plus belle vidéo.